voilà le produit du mot en bas. Et vous aussi demain, vous allez témoigner. Oh, le produit très fort, je vais le voir bientôt. Je vais donc me faire l'honneur de laisser Yéyette. Je lui accorder le micro, la parole. Aujourd'hui, et nous sommes ensemble pour célébrer ces 60 ans d'existence de notre école. Je suis Anita Lukusa, une ancienne du Moamba. Je suis très ravie parce que c'est mon école. Aujourd'hui, on célèbre la cérémonie d'inauguration de l'année jubilaire. C'est le 60 ans du Moamba. C'est mon école, c'est là où j'ai reçu une très belle éducation et des instructions. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes professeurs, à ceux qui sont aujourd'hui des directeurs d'autres. Hein. C'est un peu ça. On est vraiment très ravis par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas facile, hein, voir nos aînés qui ont fini à cela depuis 83, 82, 80, qui sont toujours là, accrochés, qui se donnent toujours corps et âme pour le mot en bas, pour l'avancement, pour le changement et tout qu'on sort. On est très ravis par rapport à la journée d'aujourd'hui. En tout cas, je suis. C'était les grandes écoles de notre pays à l'époque de Zaïre. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons été frappés par plusieurs situations dramatiques. On a connu des pillages, on a connu des casses, mais le Moamba a gardé une seule grande valeur. Ce n'est pas en termes de bâtiments, mais c'était en termes de savoir et d'intelligence. Et aujourd'hui, les professeurs que nous continuons d'avoir ne cessent de transmettre ce savoir à tous les élèves que vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir étudié dans cette école. Ah ben c'est super chouette, je suis très contente parce que bon, j'étais longtemps partie, je suis en train de revenir. Voilà, je suis contente de revoir un peu tout le monde, ça fait plaisir. Voilà, promotion 85. À étudier dans cette belle et riche école en termes de savoir. Quand je regarde les professeurs, qu'est-ce qu'ils ont vieilli? Je m'appelle Marianne Bilamatondo de la promotion commerciale 1984. Aujourd'hui, il est vrai que c'est juste le commencement, le début de toute cérémonie qui sera faite ici cette année. Mais nous sommes très 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 contents. Nous sommes très contents de nous rencontrer toute promotion jumelée. Mais tout ce que nous voulons, c'est de faire de notre école, celle qui nous a formés, celle qui a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons vraiment que tout le monde puisse s'impliquer pour que cette école puisse aujourd'hui avoir les normes, avoir toutes les normes possibles, les normes actuelles, donc comme on dit, up to date. C'est vraiment hyper important parce qu'après 38 ans, lorsque vous venez, moi par exemple, c'est aujourd'hui que je suis rentrée, lorsque vous venez, l'école est restée l'ombre d'elle-même. Mais si nous pouvons faire quelque chose pour notre école, mieux serait. En tout cas, nous vous en serons gré et que nos enfants qui viennent étudier ici, nos petits-enfants qui viendront étudier ici, puissent quand même trouver une empreinte
que nous, nous allons laisser. Vraiment, qu'est-ce que je peux dire? Bonne fête, que le Seigneur nous bénisse, nous tous qui sommes sortis de cette maternité qui s'appelle Moamba. Nous voulons que tout le monde puisse s'impliquer d'une façon ou d'une autre pour que Moamba soit toujours plus haut, soit toujours excellent. Pourquoi pas devenir comme avant? Ce n'est pas impossible. Merci, merci. Nous comptons sur tout le monde, nous comptons sur vous. Nous comptons sur votre bonne volonté aussi. Merci. C'est juste pour inaugurer l'année jubilaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers membres du comité directeur et du comité directeur élargi du groupe scolaire du Moamba, très chers anciens élèves du groupe scolaire du Moamba, très chers membres de la grande paix d'un devoir sacré, celui de rendre hommage à notre Dieu qui a permis que nous puissions finalement organiser cette commémoration. Il sait, lui, par quelle inévitable péripétie il nous a fallu passer pour en arriver là. Ceci dit, à vous tous qui avez décidé de rehausser de votre présence la manifestation de ce jour, à vous qui, par la magie des ondes et de la technologie, nous suivez ou nous suivrez à partir de chez vous, nous présentons nos chaleureuses et amicales salutations. Monsieur le directeur général du groupe scolaire du Moamba, chères autorités du groupe scolaire du Moamba, chers invités à vos titres et qualités respectives, chers professeurs, chers anciens de notre alma mater, chers condisciples, jeunes apprentis que nous sommes aujourd'hui, nous sommes sans aucun doute les fruits attendus après tant d'années de labeur, des efforts conjugués mutuellement et soutenus inlassablement de notre alma mater, le groupe scolaire du Moamba. Voilà pourquoi nous lui adressons ce beau message de remerciement pour ce qu'elle a fait et continuera de faire pour nous. Tu n'es pas d'une beauté extravagante, mais tu nous as offert une beauté intellectuelle. Tu n'es pas cher en termes de coût, mais tu nous rends valeureux et très cher aux yeux de la société. Tu es notre référence, notre sagesse, notre intelligence, notre formation, bref, tu es tout pour nous. Mesdames et messieurs, animés par cet esprit de reconnaissance, il m'est choix aujourd'hui l'honneur de vous présenter nos sincères remerciements. D'abord, à nos généreux parents qui nous ont fait venir au monde et élever en dépit des vicissitudes de la vie en nous inscrivant dans cette école de qualité. Ensuite, aux responsables de nos établissements scolaires sans lesquels il n'y aurait peut-être pas cette école où nous apprenons à mieux vivre et à mieux se comporter devant la société qui nous accueille. À nos très chers enseignants et enseignantes qui ne manquent point de courage et d'amour à nous inculquer les meilleures connaissances susceptibles de nous guider dans un avenir meilleur. Nos remerciements s'adressent aussi à tout autre membre du personnel administratif et technique de l'école. Nous souhaitons que l'on sécurise nos enseignants et surtout les autorités de l'école, que l'on arrête l'instabilité qui s'observe à la tête de l'école, à chaque recteur son comité. Non, papa recteur, ces mouvements sont à la base de l'instabilité de l'école. Nous vous prions de sanctionner que ceux qui se compromettent,
mais pas ceux qui fournissent un effort pour que l'école aille de l'avant. Chers professeurs, nous sommes l'ADN de votre sympathie et de votre détermination. C'est de vous que nous avons invité cette volonté de vouloir réussir dans nos études, malgré les obstacles qui rendent difficile notre chemin. Raison pour laquelle il est de notre devoir à tous et à toutes d'unir nos forces ensemble pour redorer la belle image de notre chère école, le groupe scolaire du Mont en bas, et ainsi renforcer sa bonne solidarité, la clé de voûte pour la réussite de toutes les générations présentes et futures. Meilleur que vous êtes, vous nous avez donné votre vie jusqu'à la perte pour que nous soyons formés. À cet effet, auguste assemblée, je vous prie de bien vouloir vous lever pour honorer la mémoire de tous nos professeurs qui nous ont quittés depuis la fondation de cette école. Merci. Impérativement impliquer nos contributions tant physiques que matérielles. Bonjour, je m'appelle Yeye Telonga. Je suis une ancienne du Mohamba. Depuis 1986 que j'ai terminé, j'ai fait latin philo. Je suis très contente pour cette grande activité, le lancement de l'année jubilaire, le lancement de l'année jubilaire pour les 60 ans de l'existence de mon école. 60 ans, c'est beaucoup. Et donc, on devait absolument venir rehausser notre présence à cette activité pour que les choses se fassent comme il se doit. C'est vrai que les années précédentes, je n'avais jamais pris part à ce genre d'activité. Mais je pense que cette fois-ci, et j'espère que ça ne va plus s'arrêter, je vais continuer à appuyer, à être présente dans les activités concernant mon école. Donc voilà, 60 ans, ça se fête. 60 ans, c'est un très bel âge. Et le Mohamba continue à faire sa fierté, même si aujourd'hui, elle évolue dans un environnement assez difficile. Il y a dans le message du DG, par exemple, il a évoqué un certain nombre de faits malheureux, en fait, et tristes, qu'il y a certains enseignants qui n'ont pas encore perçu leur salaire. Et surtout, avec le problème de la gratuité, le problème se pose encore avec beaucoup d'acuité. Donc, nous sommes là, nous voyons, nous verrons dans quelle mesure nous pouvons faire un plaidoyer ou alors faire en sorte que les choses puissent mieux aller. Donc voilà, nous sommes là pour honorer notre école, pour tout ce qu'elle a fait pour nous, ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à notre école et nous pensons que nous avons le droit en retour de nous présenter quand elle organise des activités. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Rehema Hassan Iraïssa, élève de la 4e scientifique. Je me tiens devant vous afin de présenter un message ayant pour thème Mohamba, mon école. Mohamba, Mohamba, Mohamba. Arrière-grand-mère pour certains, grand-mère pour la majorité et mère pour la plupart telle que nous. Sage et responsable, jouant deux fonctions depuis 60 ans déjà. Telle une mère, elle a enfanté nombreux qui aujourd'hui prospèrent sans difficulté. Tel un père, elle a engendré et recadré nombreux lorsqu'ils devaient s'égarer. Ayant des enfants répartis dans tous les quatre coins du monde, morts et vivants. Aujourd'hui, nous qui sommes présents, sommes fiers de dire haut et fort que le Mohamba est notre école. Aussi bien que son nom l'indique, elle se retrouve parmi le plus grand enchaînement scolaire de la ville de Kinshasa. Malgré les vents et marées, les coups et blessures, vêtues, encaissées et esquivées, elle n'a jamais perdu l'amour et elle continue de la maintenir en toute unité. Nous, élèves du Mohamba, que n'avons-nous pas vécu? Que n'avons-nous pas vu? Guerre sur guerre, menace sur attaque, grève sur marche, bagarre sur exclusion. Malgré tout, cette même école a su nous supporter avec nos habitudes et nos comportements bons et mauvais. Cette même école nous a fait voir la vie et nous a préparé pour l'avenir. Et elle continue de le faire. Elle a certes perdu sa splendeur. Les murs fanent, les professeurs vieillissent et la plupart des autorités meurent. Mais l'unité n'est plus qu'augmentée de génération en génération. Les partants,
les restants et même les enfants. Chaque promotion apporte une nouvelle atmosphère et c'est ça qui fait notre force. Discipline, travail, excellence. Je suis Mouamba et j'aime mon école car c'est là que sont mes racines et mes entrailles. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est la cérémonie inaugurale du 60e anniversaire, clôturée avec une grande soirée de gala dans un hôtel UP de la place. Prenez déjà rendez-vous, Kozangate, mon frère, ma soeur. Ce sont des moments inoubliables, exceptionnels, qui ne reviennent jamais deux fois dans la vie. J'ai vu des gens ici que je n'avais pas vu depuis 20-30 ans. Vous ne pouvez pas savoir combien ça fait chaud au cœur. Et c'est même très bon pour la santé. Je ne pouvais pas ne pas être là. Est-ce que le président des élèves est là? Le président des élèves. Merci DG. Je saisis l'occasion pour rappeler à l'attention de chacun de nous que depuis le début de l'année et même l'année passée, nous avons perdu des êtres chers. Certains étaient nos parents, d'autres nos formateurs, des enseignants dans cette école.
pour tous ces êtres-là qui ont disparu, qui nous ont quittés. Nous allons observer une minute de silence. Silence, s'il vous plaît. Avant de continuer cette petite cérémonie, je voudrais dire merci au DG qui représente le recteur de l'UNIKIN. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le mot Amba est une entité à part entière de l'UNIKIN. De 10 et jusqu'à 0. Et c'est à 0 que nous allons lâcher nos ballons. Vous souhaitez des prochaines années heureuses pour notre école. Nous espérons qu'elle va vivre longtemps et dans des meilleures conditions. Tout à l'heure, j'étais entré dans ma classe de deuxième secondaire. J'étais un peu perdu parce que je pensais à mille et une choses à la fois. C'est tellement émouvant. Mais en même temps, nos souvenirs sont frustrés par l'état actuel de l'école. Il y a des choses que nous devons faire en tant qu'anciens. Profitons de nos positions actuelles pour interpeller les pouvoirs publics. Voilà le petit mot. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les ballons ne font que monter, il fait tellement chaud. Bravo, bravo à chacun de vous. Félicitations. Félicitations des jeux. Et que la musique continue. Et surtout, l'ambiance qui règne entre les anciens et les nouveaux, ça m'a beaucoup plu. Et quand je retrouve l'organisateur et ce qui nous a réservé, c'était vraiment formidable. C'est vraiment formidable. C'est quelque chose de fort. Bah, je suis content de venir, je suis venu pour chanter. Je suis venu pour chanter, donc ça fait toujours du bien. Moi, je suis un ancien élève du Mont-Amba. Donc, c'est chaud dehors. Ok. Voilà, je suis très content d'être là, remettre tes pieds dans cette école. C'est... Ok. J'ai fini ici, j'ai commencé ici. Je suis très content. Merci. Hey, ça va, bon, on va faire ceci, on va faire ceci. Va falloir être calme, s'il vous plaît. Merci de venir. Là-bas. Vous êtes adorables, les enfants. Okay. On va chanter quelle chanson? Tu veux que nous étudions en danse? J'ai fini en 2014. Les résultats, j'en ai tous à côté. Les résultats, quand même. La fête est bien faite, hein, voilà les résultats. Mais la fête est bien faite, non? C'est dans la vie pratique, les amis. D'accord. J'aimerais entendre chanter pour vous d'abord. Après, j'aurai quelques mots à vous passer, d'accord? Oh, attention! Oh! Sans scandale, la sœur de ma fille, la nina qui paie ma dépare, sans scandale. Mon cher ami, on est revenu
Bonjour, moi je m'appelle Patricia Ngunza et je suis là avec mon professeur, le prof Roger Bilika, le grand prof. Il est là avec nous. Alors nous sommes là pour... nous commençons le jubilé de 60 ans du Moamba, n'est-ce pas monsieur? Absolument, absolument. Vous savez, 60 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Le Moamba a formé tout ce monde qui défile là. Depuis 60 ans, ils ont formé des médecins, des profs d'université et même aux États-Unis. La marine américaine, le général qui est au top, il s'appelle Luruma, le fils du docteur Luruma. C'est un ancien du Moamba. Donc le Moamba a la fierté d'avoir semé à travers le monde. Et je suis très content de vous revoir, encore pimpant d'intelligence et de tout. Samela Jenny, je suis très très heureux. Merci beaucoup. En tant qu'ancien du Moamba, je suis très content d'être là. Très content de voir mon école. Très content de voir mes collègues. Très content de voir mes professeurs. Je ne suis pas seule en tout cas. Il y a une autre de mes collègues qui est là. Viens. Elle est là, elle s'appelle Biti Luala. Je suis passée, je suis avec elle. On a étudié ensemble ici au Moamba et nous sommes très contents de fêter avec les autres anciens les 60 ans de notre école. Voilà. Et ce bâtiment, je vous assure, ça a totalisé 60 ans. 60 ans déjà, oui. Beaucoup de souvenirs, une très grande histoire. Le Moamba a forgé plusieurs personnalités, nous a appris à bien nous exprimer. Nous n'avons pas de frousse, nous ne sommes pas complexés où que nous soyons. Et ça, c'est grâce à notre alma mater. Nous en sommes reconnaissants, nous sommes venus témoigner et aussi montrer à la classe montante de nos cadets ceux qui viennent, d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons pour avoir un meilleur objectif pour l'élan de notre école qui doit être rehaussé plus haut. Voilà. Voilà, alors merci beaucoup à tous et bonne fête de 60 ans. Bonne fête. Il est spécialement venu pour vous, hein, de vous avoir pas. Bien. À la fin, vous pourrez faire des scènes avec vous. Ok. Calmez-vous les amis, calmez-vous. Je suis à quand il faut comprendre. Je suis une femme. Je sais, je sais.
Aujourd'hui est un jour magnifique. Le groupe scolaire du Mont-en-Bas, école dans laquelle nous avons tous étudié, célèbre ses 60 ans. 60 ans, c'est l'histoire de milliers, de centaines de jeunes qui ont été formés dans cette alma mater. Le Mont-en-Bas qui a commencé avec une initiative privée, puis les frères Maris qui a eu la convention, est une école de l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, les anciens sont venus s'associer avec l'école, les responsables, les enseignants et les élèves pour marquer cet événement grandiose. Aujourd'hui, nous inaugurons seulement les événements, mais nous allons continuer avec des tournois de football, des tournois de connaissances, des rencontres, des soirées de gala pour marquer cet événement des 60 ans du groupe scolaire du Mont-en-Bas. Les anciens du Mont-en-Bas, réunis autour du conseil d'administration, de la coordination, avec notre président, j'ai cité M. Christian Tungila, et notre coordinatrice Laetitia Kabouyi, nous nous sommes tous associés pour qu'aujourd'hui l'événement soit célébré avec face. Nous sommes vraiment heureux de cette manifestation. Nous remercions tous les anciens qui ont contribué, génération 70, 60, 80, 90 et même les années 2000. Ce n'est que le début et nous allons encore faire des activités grandioses. Amba for Life, Amba O, c'est un grand événement. Nous sommes très heureux. Merci à tous les anciens. Continuons de nous associer les uns les autres et que nous allons réussir. À la prochaine.